Oui, c'est bon. Je pense que je suis dans le live là. Je pense que les gens me voient. Je pense que c'est déjà opérationnel. Est-ce que je commence? Est-ce que vous m'entendez bien de là? Ok, excellent. Donc on peut déjà commencer. Bonjour à tous. Bonjour, good morning. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en bonne santé et que vous êtes vraiment motivés à assister à ce live exceptionnel, exceptionnel, puisque on va parler d'un sujet qui concerne, qui attire la curiosité des gens qui est en relation avec un domaine. Qui est perçu comme de l'ordre du dream, du rêve, qui est l'entrepreneuriat. Ok? Excellent, donc vous m'entendez très très bien. Ok. Bon, avant toute chose, Anna, je me présente, je suis enseignant de management et d'entrepreneuriat en Chine, dans une université chinoise qui s'appelle Ningbo University of Technology. Donc j'ai pu, à travers mes expériences, côtoyer, former des entrepreneurs, des managers dans l'empire du milieu. Et donc je suis très honoré de pouvoir partager ma très modeste expérience avec vous, mes chers amis. Je veux du punch, je veux de l'énergie, car l'entrepreneuriat, c'est d'abord de l'énergie positive, c'est de l'optimisme. C'est aussi le fait d'aller vers l'avant, de se confronter à nos peurs et à nos angoisses et de se libérer. L'entrepreneuriat est une école de la libération des talents. Alors, tout d'abord, avant de commencer, je tiens à féliciter l'initiative Qaraïf Dar initiée par Salim, Salah Adin Nabira et Badr Boulek. Donc, je les félicite pour cette initiative et pour cette ingéniosité entrepreneuriale. Ils ont fait preuve d'un mindset entrepreneurial extrêmement avancé, poussé et développé, puisqu'ils ont fait preuve de flexibilité. On attend 6 cours, ils ont détecté le besoin du marché, ils ont exécuté sur le terrain de la réalité, ils se sont confrontés aux difficultés et comment répondre à un besoin dans un délai si court, puisque ce Covid-19 est un événement improbable. Donc c'est en soi une preuve que le Maroc est une terre d'entrepreneuriat, que la ressource humaine marocaine est ingénieuse. Et donc, encore une fois, congratulations and it's really amazing what you are achieving now and excellent, 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 excellent. Alors, et donc là, on va, durant mes cours, on va parler d'entrepreneuriat. Donc, qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Et on va essayer de répondre aux 4 questions fondamentales. Le why, pourquoi on entreprend? Le how, comment entreprendre? Le when, quand entreprendre? Et where, où entreprendre? Donc ça, c'est des questions fondamentales. Avant de se lancer dans tout projet, il faut, avant de se lancer dans tout projet entrepreneurial, il faut la réponse à ces 4 questions. Pourquoi j'entreprends? Ce qui veut dire les raisons et les motivations qui me poussent à entreprendre. Comment entreprendre? Par quels moyens? Quels sont les documents qui sont nécessaires pour que je puisse opérationnaliser mon projet entrepreneurial dans une optique qu'il soit une réussite? Quand entreprendre? À quel moment je dois entreprendre? Puisqu'il y a différentes phases et on verra que c'est en fonction
de la trajectoire, de la carrière de chacun et du secteur d'activité dans lequel le porteur du projet souhaite se lancer, que va déterminer le quand, c'est-à-dire à quelle période. Et aussi où, puisqu'il y a différentes stratégies en termes de pénétration de marché. Il y a la stratégie behavioriste, c'est-à-dire progressive. On commence par les marchés de proximité que l'on maîtrise et ensuite on se développe. Mais il y a aussi une autre stratégie qui est l'internationalisation dès la création de l'entreprise. Et cela plus concerne des secteurs d'activité spécifiques qui sont en relation avec le digital. Ok, donc là, on va commencer avec le why. Pourquoi on entreprend? Donc, on commence. Alors, j'ai une question à vous poser. Quelles sont les raisons, d'une manière générale, qui poussent les gens à vouloir entreprendre, qui poussent les gens à vouloir laisser tomber une carrière stable de salariat, à se lancer dans le monde de l'aventure entrepreneuriale? Quelles sont les raisons? Ça, c'est une question fondamentale. Alors, il y a, d'après mes expériences et d'après les entretiens que j'aborde avec les gens, ils ont deux réponses principales. Deux réponses principales. La première motivation, il dit, je veux entreprendre parce que pour eux, l'entrepreneuriat est une façon de gagner plus d'argent. Donc, en entreprenant, en lançant son propre business, pour lui, il pense qu'il sera amené à développer et à augmenter ses revenus. Deuxièmement, la deuxième motivation principale qui revient toujours, c'est qu'ils veulent se libérer. Ils veulent se libérer de la hiérarchie. Parce que peut-être qu'ils en ont marre de leur supérieur qui est contraignant, qui n'est pas agréable. Donc, ils veulent se libérer d'un environnement toxique du salariat. Donc c'est ça deux raisons. Développer de l'argent, gagner plus d'argent, s'émanciper financièrement. Et la deuxième raison, c'est de se libérer d'un environnement toxique et de se libérer de la hiérarchie. Et moi je vous dis dès maintenant, si vous comptez tout ce qui se lance dans un projet entrepreneurial sur la base de ces deux raisons-là, à 100%, ils échouent. They fail. Ils échouent. Vous allez me dire pourquoi. Premièrement, pour l'argent. Règle numéro une en entrepreneuriat. L'argent n'est pas un objectif. L'argent est la conséquence d'un projet réussi. Jack Ma said, money follow the people. L'argent suit les gens qui réussissent. L'argent suit les gens qui réussissent. L'argent ne doit jamais être l'objectif principal ou l'obsession du projet. Donc, si quelqu'un souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat pour l'argent, c'est l'échec garanti. L'argent est la conséquence d'un projet réussi et ce n'est pas le résultat. Deuxièmement, ils veulent se libérer de la hiérarchie. Encore, c'est fake. Encore, c'est une illusion. Encore, on se met droit vers l'échec. Parce que si dans le salariat, ton super hiérarchique est ton boss, en entrepreneuriat, tu seras certes le boss, mais ton supérieur hiérarchique dans le terrain de la réalité, ça sera ton client. Et le client, il est beaucoup plus contraignant, il est beaucoup plus chiant, excusez-moi du terme, qu'avoir un boss. Parce qu'en entrepreneuriat, si tu veux vraiment, if you want to close a sale, si tu veux vraiment que ton client puisse te donner son chèque, te donner son argent, il va tout faire à ce que il va te faire souffrir du mieux qu'il peut. Donc, ça c'est de base. L'argent et le fait de gagner plus d'argent et le fait de se libérer de la hiérarchie, ce sont deux raisons illusoires qui ne reflètent pas la réalité de l'entrepreneuriat et que si elles sont les seules motivations, c'est le droit vers l'échec.
C'est pour cela qu'il est nécessaire de faire cette formation sur le why et pourquoi on entreprend, quelles sont les raisons, afin vraiment que l'on puisse s'acheminer vers une réussite entrepreneuriale. Ayant dit cela, les bases de cela. Finalement, quelles sont les raisons? Si ce n'est pas l'argent, si ce n'est pas de se libérer d'un environnement toxique et de la supériorité hiérarchique, quelles sont les raisons? La raison principale d'entreprendre, si tu souhaites entreprendre, il faut que ça soit la raison de ton existence. Je répète, l'entrepreneuriat a pour seule raison à ce que tu répondes à un besoin dans le marché. Si tu sens que tu as trouvé ta vocation, si tu sens que tu as des compétences distinctives, qu'à travers tes expériences, tu as acquis des connaissances différenciées qui te permettent d'apporter une offre concurrentielle distinctive. Et en plus de ça, tu sens que tu as une raison d'être, c'est-à-dire que ton projet représente ta raison d'être, c'est cela qui pourront être les raisons véritables de ton succès dans le projet entrepreneurial. Je vous donne un exemple très clair, très précis, de Steve Jobs. Ok, je réponds aux commentaires plus tard. Steve Jobs, avant de se lancer, il était un geek de l'informatique. Il était extrêmement. Pour lui, l'informatique représente la raison de son existence. C'était son obsession. Il se réveillait pour l'informatique et dormait pour l'informatique. Il vivait pour l'informatique. Et à un certain moment, il avait l'intime conviction qu'il allait se lancer, qu'il allait révolutionner le monde du digital. Il était extrêmement convaincu, extrêmement persuadé que cela, qu'il apportera une valeur ajoutée extraordinaire dans le marché. Jack Ma, avant de lancer son projet d'Alibaba, donc Alibaba, Jack Ma est le deuxième homme le plus riche en Chine. C'est le fondateur d'Alibaba. Et avant qu'il ne se lance dans le projet d'Alibaba, il était un simple enseignant d'anglais. Un simple enseignant d'anglais dans un collège en Chine. Par contre, lorsqu'il s'est lancé dans ce projet entrepreneurial, il avait l'intime conviction. Il avait cette vision-là que l'entrepreneuriat serait, que le digital, il pensait que d'ici 15 ans, d'ici 20 ans, tous les Chinois seront munis d'un téléphone et toutes les transactions se feront d'une manière digitale. Donc il avait cette intime conviction. Donc en fait, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut que vous ayez l'intime conviction que vous avez entre vos mains une valeur ajoutée. Vous avez entre vos mains des connaissances distinctives, quelque chose qui va changer le paysage économique de votre environnement. Sur la base de votre expérience, sur la base de ce que vous avez acquis, sur la base de ce que vous avez appris, sur la base aussi de votre instinct. Donc, le why de l'entrepreneuriat, c'est de sentir que le domaine d'activité dans lequel vous allez vous lancer représente, un, votre vocation. Il faut que vous ayez la conviction, avant de lancer votre projet, que vous êtes fait pour ça, qu'il y a une juxtaposition entre votre personnalité et le domaine d'activité. C'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous voulez vous lancer à ouvrir une école. Il faut que vous ayez l'intime conviction que votre personnalité, elle est indélébile à la personnalité d'un enseignant qui réussit. Donc, juxtaposition entre le secteur d'activité dans lequel vous allez vous lancer et votre profil. C'est ça la première raison. La première raison, c'est il faut que ça soit, comme les Japonais disent, le ikigai. Ikigai. Ikigai.
IGAI. Il faut que ça représente votre vocation, votre raison d'être, votre raison de votre existence. Et je vais vous dire pourquoi. La deuxième chose, il faut que vous sentiez que vous allez non pas combler un besoin, non pas combler un besoin, mais créer un nouveau besoin. Lorsque vous vous lancez, vous sentez que vous serez dans une distinction, dans une innovation. Dans votre vocation, dans votre business model, il faut que ça représente une innovation afin que vous puissiez surmonter les épreuves de l'entrepreneuriat. Et la troisième chose, il faut que vous serviez le marché. Donc on est là, un entrepreneur, comme Jack Ma le dit, The entrepreneur is not the one who conquers the world, he is the one who serves the world. Un entrepreneur n'est pas celui qui veut conquérir le monde, c'est celui qui veut servir le monde. Donc il faut avoir ce mindset entrepreneur comme quoi moi je suis là qu'apporter une brique à la société, je suis là que pour aider ma société, je suis là que pour satisfaire ma clientèle. Parce que en ayant cette attitude d'humilité, en ayant cette attitude de modestie, vous pouvez réunir entre vous des gens de talent pour renforcer votre projet. Hadouma, les trois choses. Exactement, le besoin ne se crée jamais, on parle plutôt de création du désir, bien évidemment. Là, effectivement, ce n'est qu'une question de mots. Besoin, désir, satisfaire, apporter une valeur ajoutée, rendre la vie des gens plus confortable. Tout ça, ce sont des synonymes qui finalement veulent dire la même chose. Ayant dit cela, je veux revenir encore une fois à la source. Pourquoi le why de l'entrepreneuriat, il est très important? Parce que, comme disait Simon, un chef de l'entrepreneuriat, un mentor de l'entrepreneuriat, dans la formation entrepreneur, il dit que les gens n'achètent jamais le comment de ton projet, ils achètent le why de ton projet. Les gens n'achètent jamais le comment, ils achètent le pourquoi. Ils achètent ta croyance, ils achètent ce dont tu y crois dans ton projet, les tripes que tu émets dans ton projet-là. C'est ça le plus important. Et Simon n'arrête pas de le rappeler à chaque fois dans ses formations, que le client n'achète pas le how, le comment, il achète le why. Pourquoi j'ai créé ce projet-là? Quelle est ma motivation? Et sur cette base-là, ça sera la source de la conviction. Ça sera la source de la conviction pour satisfaire le besoin et le désir de ta clientèle. Et aussi, je pense que le sérieux entrepreneur se lance dans des secteurs d'activité diversifiés. Il réussit quand même. Je vous recommande de voir Marcus Lemoine, The Prophet. Bien évidemment, il y a ce qu'on appelle the serial entrepreneur. Mais il faut voir quelles sont la motivation. Moi, je parle pour un début, quelqu'un qui se lance dans un nouveau projet entrepreneurial. Voilà, Simon Sinek, exactement. Merci, Myriam Shafiri. Simon Sinek, il ne cesse de rappeler dans son projet, dans ses formations, que le why est essentiel. Que le why est essentiel dans la prospection commerciale et dans la satisfaction de la clientèle. Donc, revenons à la source. Revenons à la graine. Revenons à la motivation. Qu'est-ce qui vous permet de vous motiver? Généralement, lorsqu'on parle de motivation, pourquoi il est important de dématérialiser la motivation? Pourquoi il est important de purifier la motivation? Pourquoi il est important à ce que vous vous lanciez dans un projet entrepreneurial qui représente la raison de votre existence? Pourquoi il est important d'éliminer les pressions sociales, les préjugés sociaux dans ce qui représente le why dans votre projet entrepreneurial? Puisque, comme on le sait tous, généralement, un entrepreneur qui réussit, on ne voit que la face visible de l'iceberg. On ne voit que ses fortunes, que son chiffre d'affaires, mais on ne voit pas la face invisible.
Et la face invisible, c'est quoi? C'est Jack Ma durant ses 5 premières années. Avant, lorsqu'il s'est lancé dans Alibaba, ses 5 premières années, il n'avait aucun dollar de revenu. Et c'est là, aucun dollar de revenu durant 5 premières années. Alors imaginez-vous, vous avez des familles, vous avez une femme, des enfants à charge, et vous vous lancez dans un projet qui ne représente pas vos tripes, qui ne représente pas la raison de votre existence, quelque chose qui vous permet de donner de l'excitation tous les jours, à vous réveiller avec une envie de faire, vous allez laisser tomber au bout de la première, de la deuxième ou de la troisième année. Car il est impossible, à part quelques exceptions près, de réaliser au bout des premières années de votre existence. Donc si vous voulez surmonter les difficultés de l'entrepreneur, à savoir la difficulté d'avoir le premier client, le fait de se faire un nom dans le marché, le fait d'attirer la première clientèle et de développer ses références clientèle, le fait de faire face à l'injustice du marché, parce que le monde de l'entrepreneur est un monde de loups, de lions, c'est un monde où la concurrence déloyale est extrêmement forte, où la corruption est extrêmement forte, où il y a une lourdeur administrative, où vous avez des charges à payer, vous avez des charges personnelles à couvrir. Si vous voulez être dans cette capacité à couvrir et à surmonter ces difficultés avant que vous voyiez la lumière de votre réussite, il faut que votre raison soit dématérialisée du mieux qu'il peut et que votre projet entrepreneurial représente le projet de votre existence et la raison d'être. C'est la raison pour laquelle, Jack Ma, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, tous les grands noms de l'entrepreneur ont réussi, car la graine de leur réussite n'a jamais été l'argent. Allez lisez des livres et vous allez vous rendre compte, n'a jamais été le fait de s'enrichir, n'a jamais été le fait d'avoir un jet privé ou le fait d'avoir des rêves matériels. Donc il est important de faire un effort sur soi, de dématérialiser, d'éliminer les tentations matérielles de votre raison d'être et de votre motivation, si vous voulez effectivement surmonter les épreuves. Car si votre raison, elle n'est que financière, ce n'est pas l'entrepreneuriat qui vous concerne. Il y a d'autres moyens pour gagner de l'argent rapidement, sans forcément être un entrepreneur. Puisque un entrepreneur, he's an inspired leader. Un entrepreneur est un leader inspirant. Et on ne peut être inspirant que lorsqu'on a une personnalité inspirante, c'est-à-dire munie des valeurs de la persévérance et les valeurs de la du développement de soi et de la rigueur. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre l'accent. Donc il faut prendre son temps avant de se lancer, de trouver sa vocation. Maintenant, la question. Prière de contextualiser l'entrepreneuriat, ça serait bénéfique d'appréhender selon l'environnement socioculturel marocain. Ok. Bon, on ne peut pas en un live de 30 minutes faire, donc on va essayer d'avancer. Par rapport à ce qui a été dit, comment trouver sa vocation? Et c'est là où comment trouver cette lumière interne, où les Japonais l'appellent le Ikigai, the inner enlightenment, la lumière interne, c'est à travers les expériences. Et c'est là où je conseille toujours mes étudiants de ne jamais perdre leur temps. Et c'est là un conseil que je lance à tous ceux qui veulent entreprendre. D'être muni de réaliser plusieurs expériences, de voyager, de faire de l'art, de la musique, du sport, d'assurer des formations, de faire toutes les expériences inimaginables afin de se connaître, afin de s'approprier, afin de mieux se connaître. Car on ne pourra trouver sa voie qu'en expériençant notre être, en faisant plusieurs activités. Et en se rendant compte qu'on sera dans une forme de sélection, de sélectivité. Ma personnalité est plus dédiée à la formation qu'au trading. Mais il faut avoir
cette volonté-là de sortir de sa zone de confort et de se confronter à ses peurs afin de trouver, de faire toutes les formations possibles, toutes les expériences possibles avant de afin de trouver sa vocation. Donc c'est très important le why. Le why nous permet d'éviter et d'anticiper les échecs. Le fait de trouver la raison véritable de votre aventure entrepreneuriale, cela réside premièrement à dématérialiser votre raison. Il faut que votre raison, elle ne soit jamais financière. Il faut pas que la raison principale soit financière. Il faut que ça conjugue avec votre raison d'être. Il faut que ce soit votre obsession. Il faut que vous sentiez que vous êtes muni de connaissances et de valeurs ajoutées distinctives, que vous avez des éléments que la majorité du marché n'a pas afin de percer le marché d'une manière effective et en surmontant les épreuves de l'entrepreneuriat. Car encore une fois, le plus difficile, c'est le début. Le plus difficile, ce sont les 5 premières années. Jack Ma n'a gagné, n'a réalisé aucun bénéfice durant les 5 premières années. Eh bien, mes chers amis, que vous le vouliez ou non, je suis prêt à vous dire la vérité. Si votre raison n'est que financière, vous allez échouer. Et je vous mets au défi. Si votre raison n'est que financière, vous allez échouer et je vous mets au défi. C'est la raison pour laquelle il faut faire un travail sur soi. Un travail de se découvrir, de découvrir le soi. Quelle est ma raison d'être? En quoi je suis fait? Mes gènes sont conditionnés à quel type d'activité? Dans quel secteur je peux optimiser mes compétences? Je peux exceller. Ce n'est qu'en ayant trouvé cette voie-là, ce ikigai, comme disent les Japonais, en créant un business model adapté, que vous serez amené à surmonter les difficultés de l'entrepreneuriat. This is my advice to all of you. Après, vous allez me dire, oui, il existe, je connais dans mon environnement beaucoup de gens qui ne sont motivés que par l'argent. Mais ça dépend de votre motivation. Est-ce que vous voulez être un entrepreneur inspirant ou un entrepreneur lambda? Est-ce que vous voulez être un entrepreneur inspirant qui optimise son potentiel du mieux qu'il peut? Ou vous voulez être un commerçant lambda? Répondez à cette question. Si vous voulez être un commerçant lambda, un commerçant, allez-y, vous pouvez réussir. Mais si vous voulez être un entrepreneur exceptionnel, un entrepreneur inspirant, ce n'est qu'en se lançant dans sa raison d'être. Donc le why, la graine de votre... La graine et la motivation, c'est ce qui vous permet de vous réveiller chaque matin. Elle doit être dématérielle. Elle doit correspondre à votre projet de vie. Ok, c'est hors sujet, mais c'est très important. Pensez-vous que la Chine reprendra son économie mieux qu'avant? Excusez-moi, si moi je suis hors sujet, vous êtes encore plus hors sujet que moi, parce que là on parle d'entrepreneuriat. Excusez-moi. Si vous avez des questions sur l'entrepreneuriat, je suis là. J'aime créer. Je veux que vous soyez pas d'accord avec moi. Que vous soyez d'accord avec moi ou pas, parce que je lis des messages de gens, des gens qui sont d'accord ou pas d'accord. Mais je vous donne ma vision, le why, quelque chose qui est immatériel, qui est de l'ordre de l'émotionnalité. Jack Ma said, money follow the people. The people should follow their dreams. L'argent suit et la conséquence de la réussite. Par contre, les gens doivent suivre leur rêve. You have to follow your dream. But if you want to follow your dream, you have to find your dream. Si vous voulez vivre de votre rêve, il faut que vous trouviez votre rêve. Et ça va pas plaire à beaucoup de gens parce que c'est un prix à payer. Parce que, Alège, parce que vous devez.
J'ai pas dit que vous êtes hors sujet, j'ai dit que moi, je suis en parlant de la Chine. Mais c'est pas le sujet, madame. Je peux pas parler de la Chine maintenant. Si vous voulez, on peut parler de la Chine sur un plan, sur un message privé. Grand plaisir. Mais maintenant, c'est l'entrepreneuriat. Pouvez-vous nous donner quelques livres à consulter pour apprendre de plus, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors, je peux vous donner quelques livres après. À Zahra, je vais vous envoyer, je vais vous montrer ma bibliothèque. Elle est remplie de livres sur l'entrepreneuriat et vous allez comprendre beaucoup de choses sur finalement le why. Le why est une valeur commerciale. Et là, Simon Sinek, il parlait beaucoup que les gens, que les clients achetaient étaient convaincus du why de Steve Jobs, parce qu'il pensait que Steve Jobs était le génie de l'informatique. Donc il faut que vous trouviez votre génie, il faut que vous trouviez votre excellence. Ce n'est qu'en ayant trouvé cette voie-là que le why trouvera toute sa place et toute sa splendeur qui vous permettra d'éviter les échecs et les déceptions. Beaucoup de gens se lancent dans l'entrepreneuriat parce qu'ils veulent développer seulement leurs finances. Après, ils se confrontent à un marché extrêmement rude et ils laissent tomber. Beaucoup de gens laissent tomber l'entrepreneuriat parce qu'ils veulent se libérer d'un supérieur hiérarchique qui les toxifie, qui rend leur vie insupportable. Après, lorsqu'ils se lancent dans l'entrepreneuriat, leur client devient leur boss et leur boss devient beaucoup plus contraignant et beaucoup plus exigeant. Après, ils disent, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Quelles erreurs ai-je faites? Et là, ils reviennent dans le salariat. Donc, c'est très important que. Il est très important que d'être muni de plusieurs expériences et de se lancer que lorsque vous serez à 100% ready for it. Ok, donc là, je lis aux questions. Que pensez-vous d'un projet entrepreneurial qui n'est pas en adéquation avec le domaine d'études? Excellente question. Les études n'ont jamais conditionné la personne. Il se peut que beaucoup de gens se lancent dans un projet, dans des études X, et après se rendent compte que les études qu'ils ont menées ne correspondent pas du tout à leur ikigai, à leur vocation, à ce qu'ils sont faits, à ce qui vraiment leur donne de l'excitation tous les jours. Beaucoup de gens ont fait des études de commerce et après se retrouvent dans les relations internationales. Non, jamais, à l'âge. Parce que c'est l'expérience qui conditionne, l'expérience façonne les gens. L'expérience permet de faire découvrir la personne. Donc à 18 ans, on ne se connaît pas assez. Certes, beaucoup se lancent dans des domaines d'études que l'environnement nous impose ou que l'environnement nous influence. Mais au bout de 40 ans, on se rend compte, avec beaucoup plus d'expérience, on se rend compte que finalement, notre domaine d'expertise n'a aucun rapport avec notre domaine d'études, puisque l'expérience nous a permis de mieux nous connaître et de mieux nous orienter vers ce qui représente l'optimisation de nos compétences. Je vous donne un titre d'exemple. Moi, j'ai fait des études de commerce. J'étais amené à travailler en entreprise, mais l'expérience m'a mené. C'est que j'ai découvert ma vocation, qui est l'enseignement. L'enseignement, c'est quelque chose qui m'excite, qui me donne de l'amour, qui me donne de la joie, du bonheur. Et c'est ce qu'il faut trouver. Donc, bien évidemment, l'entrepreneuriat, il se peut que vous vous lancez dans un domaine qui n'a aucun rapport avec votre domaine d'études. Que pensez-vous d'un projet d'entrepreneuriat qui n'est pas en adéquation? Okay. La question n'est pas d'être d'accord ou ne pas être d'accord. Il y a une grande différence entre River au Maroc et River en Chine et autres États-Unis. D'où ma proposition de contextualiser l'environnement socioculturel marocain. Ok. Soft skills. Tout à fait. Là, effectivement, le why correspond incontestablement aux soft skills. J'ai des idées de why de mon futur projet, mais je n'ose pas commencer ni de par où commencer. Alors, je réponds à la question de Lubna. L'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement les hard skills. L'entrepreneuriat n'est pas seulement le fait d'avoir un projet solide.
Le fait d'être ingénieur et d'avoir une idée qui va révolutionner le monde. L'entrepreneuriat exige aussi une personnalité, un mindset entrepreneurial qui nous permet de surmonter et de se confronter à nos peurs. Puisque l'entrepreneuriat, c'est l'aventure. L'entrepreneuriat, c'est le monde du risque. Et si vous n'avez pas une personnalité adaptée à ce que vous puissiez surmonter la peur, surmonter le risque, vous ne pourrez jamais réussir. Donc oui, je réponds à Lubna, il faut que votre projet puisse être tenable sur le papier. Mais après, il faut prendre des risques. Et les gens ne prennent des risques véritables que lorsqu'ils sont convaincus à 100% de leur projet. Et si tu as convaincu à 100% de ton projet et tu ne te lances pas, tu auras des remords. Il vaut mieux avoir des regrets que des remords. Si tu es convaincu à 100% et que tu as trouvé le why de ton entrepreneuriat, lance-toi. Lance-toi car tu as trouvé ton rêve, tu as trouvé ta vocation. Et si tu échoues, ça sera une expérience pour mieux appréhender l'entrepreneuriat. Mais si tu ne le fais pas et que tu avais cette conviction et tu as laissé ta peur te bloquer, tu auras des remords. Et le remords est un sentiment beaucoup plus pesant que le regret. Donc lance-toi, lance-toi, lance-toi et affronte tes peurs. Adopte une communication positive avec soi, un discours de inner speech. You have to develop a positive inner speech, un discours positif avec soi. Je suis prêt, je suis muni de tous les ingrédients pour réussir. Si je ne le fais pas, c'est moi la plus grande perdante. Lance-toi. Bah, mon expérience entrepreneuriale, c'est que j'ai tout laissé tomber au Maroc pour aller en Chine. Excusez-moi, je suis Hadaïtlia, donc je tiens à m'excuser. Oui, alors mon expérience, c'est que j'ai tout laissé tomber au Maroc. Je me suis lancé dans un projet de restaurant, je faisais mes études doctorales, j'étais très bien. Et j'ai dit, par contre, je trouvais ma vie monotone. Et j'ai tout laissé tomber. Tout laisser tomber et j'ai fait mon backpack et je suis allé en Chine sans ni contrat ni rien à l'aventure. Et ça pour moi, c'est plus que de l'entrepreneuriat, c'est l'aventure humaine. Et effectivement, j'ai fait face à plusieurs difficultés, mais c'était excitant, c'était ma vocation. Je voulais faire ça, je voulais explorer un nouveau monde, je voulais confronter mes capacités à aller dans un monde où personne ne te connaît. Et donc de commencer de zéro, from the beginning, and you start everything by yourself. Et je ne parlais ni anglais, ni mandarin, je ne parlais qu'arabe et français. Et au bout de 3 ans, je suis devenu enseignant universitaire en parlant 4 langues, français, anglais, chinois et anglais. Donc c'est ça pour moi ma plus belle expérience et ma plus belle expérience entrepreneuriale, puisque c'est effectivement se confronter à ses peurs, se confronter, sortir de sa zone de confort. Et je voulais explorer un nouveau monde. Je voulais faire ça, coûte que coûte. Et je l'ai fait et je n'ai jamais regretté. Est-ce que l'entrepreneuriat a une relation avec l'expérience de la personne, autant sur le volet personnel que les compétences? Bien évidemment. On ne peut réussir dans l'entrepreneuriat que lorsque tu seras muni de compétences distinctives. De compétences distinctes, c'est-à-dire des compétences différentes, différentes de la majorité des gens, en termes de hard skills, c'est-à-dire des compétences techniques, que tu as appris dans le monde de l'entreprise, et aussi les soft skills, votre personnalité, et ça c'est lié à votre expérience personnelle. Donc il faut être muni de compétences distinctives en termes de hard skills et de soft skills. Et comment avoir cette distinction? C'est en adoptant un mode de vie distinctif. Si la majorité des Marocains se réveillent à 7 heures, il faut te réveiller à 5 heures du matin. Si la majorité des Marocains font du sport 2 fois par semaine, il faut que tu fasses du sport 5 fois par semaine. Si la majorité des Marocains lisent un livre par an, il faut que tu lises un livre par semaine. Donc c'est en ayant un mode de vie distinctif que tu vas développer des compétences distinctives et aussi. Les hard skills, les compétences techniques distinctives, c'est lié aussi incontestablement à une expérience distinctive. Aller explorer d'autres cieux et se confronter et de sortir de sa zone de confort. Et bien évidemment, car l'entrepreneur, ton projet est la représentation
de ta personnalité. Ton projet entrepreneurial est la représentation de ta personnalité. Let's go. Time. It's the time to end up. It's the time. It's the time. So, l'échec entrepreneurial est-il formateur? Ah, bien sûr. L'échec entrepreneurial est très formateur. The failure is the mother of this success. The failure is the mother of this success. L'échec est la mère de la réussite. Ce n'est qu'en sortant de notre zone de confort et de percevoir l'échec comme une formidable leçon de se développer que tu vas réussir. Incontestablement, cher Fouad Sami. Alors, je reprends la question de Monsieur Khalid. Selon vous, comment alimenter le why de manière permanente? C'est l'expérience, cher ami. Je réponds à la question de Youssef Badi. C'est l'expérience. Il n'y a pas de meilleure façon de trouver ton why qu'en explorant plusieurs activités, qu'en sortant de ta zone de confort. Il faut sortir de sa zone de confort, mes chers amis. You have to leave away from your comfort zone. Sors de sa zone de confort. Sors de ton... de tes habitudes, sors de ta vie routinière. La routine est la meilleure façon de ne jamais découvrir ton why. La routine est la meilleure façon de ne jamais trouver ton why. Donc sors de ta zone de confort, explore des nouveaux cieux, lis de nouveaux livres, voyage du mieux que tu peux, fais de nouvelles expériences. C'est la meilleure façon de trouver ton why. Et lorsque tu auras trouvé ton why, tu auras trouvé ta lumière. Tu auras trouvé ta lumière, tu auras trouvé, c'est ce qui permet de donner de l'excitation chaque jour. Et c'est ça la véritable force pour surmonter les 5 premières années les plus décisives et les plus délicates dans l'avenir de l'entrepreneur d'une manière décisive. Malheureusement, je dois... Oui, it's the time. I'm so sorry. Oui, je tiens à m'excuser. It's the time to end. C'est le temps maintenant de vous dire au revoir. Ça m'a fait énormément plaisir de parler avec vous, d'échanger avec vous. Mon seul conseil, dématérialisez la raison de votre projet entrepreneurial. Car l'argent est la conséquence d'un projet réussi. Money follow the people. You have to follow your dream. I love you. Take care.